Grazie, abbiamo accolto con molto piacere l'opportunità che ci ha concesso di venire in Tunisia. Abbiamo incontrato stamattina il Presidente della Repubblica. Merci, nous avons accueilli avec grand plaisir la possibilité qui nous a été offerte aujourd'hui. Nous avons eu cet entretien avec le président de la République. Ora veniamo dall'incontro con il presidente Micici. Et là, on a eu un entretien avec monsieur le président du gouvernement Meschici. Insieme alla nostra commissaria europea Ylva Johansson. Avec donc la présence de notre commissaire européen, donc Madame Eva Johansson. Questa mattina nel corso dei colloqui ho confermato che la Tunisia può continuare a contare sull'aiuto dell'Italia. Donc lors de notre entretien, nos entretiens aujourd'hui, j'ai confirmé que l'Italie est prête et que la Tunisie peut toujours compter et continuer à compter sur l'Italie. E dell'Unione Europea in una fase così difficile che tutti i paesi hanno vissuto, quello della pandemia. La Tunisie peut continuer à compter sur l'Italie et sur l'Union européenne, notamment en cette phase, ce contexte causé par la pandémie. Tout le monde a souffert de cette pandémie. La Tunisia ha un ruolo molto rilevante nel bacino del Mediterraneo. La Tunisie a un rôle très important dans le bassin méditerranéen. E la sua stabilità e la sua prosperità costituisce un elemento strategico per l'Italia, ma anche per l'Europa. Sa prospérité constitue un élément très important pour l'Italie, mais aussi pour l'Europe. Io ho manifestato stamattina sia al presidente Saied che al premier Meschici la vicinanza del nostro paese che vuole continuare ad essere un partner vicino in modo da poter affrontare insieme con l'aiuto italiano e con l'aiuto dell'Unione Europea il difficile momento che stiamo vivendo. Donc j'ai fait part aussi bien à Monsieur le Président de la République ce matin, à Monsieur le Président du gouvernement tout à l'heure, l'intérêt de l'Italie d'être à côté de la Tunisie, de trouver, de parvenir à cette approche nouvelle pour avancer ensemble. Noi riteniamo che debba essere un approccio globale perché bisogna andare su quelle che sono le cause che spingono i giovani a lasciare il proprio paese. Nous sommes conscients donc qu'il faut aboutir et trouver une approche globale, une approche qui pourrait donc comprendre les attentes de ces jeunes. Guardando anche, cercando di superare, ma con un occhio di attenzione anche a quello che è un dato, securitario. Aussi, il est très important d'aborder le côté de la sécurité, donc sur le plan de la sécurité aussi. La nostra presenza oggi quindi è la testimonianza della piena condivisione dei programmi futuri tra Italia e Tunisia. Donc notre présence aujourd'hui est le témoignage et la confirmation de notre soutien et le fait que nous partageons les mêmes projets avec la Tunisie. Anche da un punto di vista di intensificazione dell'impegno contro le reti di criminali transnazionali. Donc il s'agit aussi d'intensifier et renforcer les efforts pour lutter contre ces réseaux de malfaiteurs, de criminels. Per consolidare la prevenzione e il contrasto di tutte le minacce alla sicurezza che provengono dal terrorismo. Lutter contre ce phénomène et surtout pour lutter contre trouver une solution et lutter même contre le terrorisme. E dalla criminalità organizzata. Du terrorisme et de la criminalité, du crime organisé. Certamente dobbiamo avere un occhio di attenzione su quelle che sono
quelle attività che sfruttano gli esseri umani donc, mettendo in pericolo la loro vita. Donc une attention particulière doit être accordée à ces personnes donc ces malfaiteurs des groupes de criminels qui organisent donc ces réseaux et qui mettent en danger la vie de nos jeunes. Come purtroppo è accaduto anche recentemente nelle acque tunisine. Donc ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps dans les eaux tunisiennes, donc il faut trouver le moyen pour éviter ces drames. È comune interesse sia dell'Italia che della Tunisia smantellare il business criminale dei trafficanti e dei migranti. Donc démanteler ces réseaux est dans l'intérêt commun aussi bien de la Tunisie que l'Italie. Che può essere certamente smantellato, sconfitto, incentivando lo sviluppo della delle realtà economiche di questo paese. En encourageant les réalités économiques dans ce pays, nous pourrions et nous pouvons donc combattre ce phénomène. Offrendo anche alternative legali per l'ingresso in Europa ai giovani che intendono investire sulla loro formazione e che vogliono lavorare nel circuito di legalità. Donc, offrant aussi la possibilité et le moyen à ces jeunes d'arriver en Europe d'une manière légale, d'investir leurs connaissances, de pouvoir travailler et de pouvoir vivre en Europe d'une manière légale. Ho ringraziato sia il presidente Saied che il capo del governo Micici per aver voluto continuare i rimpatri anche in periodo di pandemia. J'ai remercié monsieur le président Saied, monsieur le président de la République Saied et monsieur le chef du gouvernement Micici aussi pour avoir donc continuer et ne pas avoir interrompu donc le rapatriement même dans le contexte de la pandémie. Perché questo ci ha consentito anche di certamente di lasciare sul nostro territorio soltanto coloro che pur avendo fatto domanda di asilo non hanno avuto il riconoscimento, perché in Italia ovviamente come negli altri paesi si entra attraverso le vie legali e quindi noi anche questo è importante, vorrei dire oggi che è stata confermata anche la disponibilità all'Italia di attivare una linea diretta dedicata proprio per lo scambio di informazioni. Donc la Tunisie a accueilli favorablement aujourd'hui donc la proposition de l'Italie donc d'instaurer une ligne directe de communication entre nos deux pays pour contenir donc ces départs, pour bloquer ces départs. Quindi se chiudo questo breve intervento riepilogando sui punti fondamentali. Donc, pour clôturer donc cette intervention, donc je voudrais insister sur les points et sur les points fondamentaux de cette rencontre. Approccio globale al fenomeno migratorio. Donc une approche globale au phénomène migratoire. Valutazione di quelli che sono le situazioni attualmente della Tunisia, cercando con l'Europa di andare incontro anche alle difficoltà economiche con appositi progetti. Evaluation de la situation actuelle en Tunisie en essayant de trouver des solutions adéquates donc donc aider donc la Tunisie dans ce contexte même en trouvant et en lançant des projets et des investissements. Non solo, anche a questo corrisponde un'accelerazione da parte delle autorità tunisine anche dei processi di rimpatrio di chi non ha titolo a rimanere sul territorio italiano e che è arrivato illegalmente. Pas seulement ça, mais il faut aussi accélérer le processus de rapatriement donc des clandestins, des personnes, des migrants qui sont arrivés sur le territoire italien d'une manière illégale. È uno scambio informativo ancora più intenso tra le nostre autorità. Donc, et un échange d'informations encore plus intense entre nos autorités respectives.
Quindi devo dire che è stata una visita molto positiva, sia per l'Italia sia per l'Unione Europea. Je dois dire qu'il s'agit donc d'une visite très positive aussi bien pour l'Italie que pour l'Unione Europea. Sulla base del presupposto che chi arriva a Lampedusa arriva in Europa. Sur la base donc du critère que chi arrive en Italie arrive en Europe. E quindi c'è l'interesse non soltanto italiano, ma anche dell'Europa, di tutti i paesi europei, a che ci sia una migrazione legale e sostenibile. Donc ça veut, cela veut dire qu'il y a un intérêt de la part de l'Italie, mais aussi de la part de l'Union européenne, à ce que ceux qui rejoignent le territoire donc européen peuvent le rejoindre d'une manière légale. Grazie. Merci.